Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente à nouveau, je suis le Toastmaster Aristide Niangoran, commissaire à l'organisation de ce club qui a l'honneur de vous recevoir ce matin pour sa toute première session de formation du mandat 2022-2023. Et cette séance de formation a pour thème premier coup de maillet, comme vous pouvez le constater sur les fiches programmes qui sont en face de vous. Chers Toastmasters, distingués invités, votre présence parmi nous ce matin, en plus de nous honorer, permettra de rehausser certainement la qualité de cette session de formation. Et je voudrais donc vous inviter à vous tenir debout et nous allons ensemble nous ovationner. Merci beaucoup, merci à chacun de vous, merci pour votre présence, vous pouvez vous rasseoir. Avant de continuer, permettez-moi de rappeler quelques consignes d'usage pour permettre à ce que notre session se déroule dans de bonnes conditions. La première des choses, je vais vous inviter à mettre vos téléphones sur la fonction silence, au mieux sur vibreur, pour ne pas perturber la séance quand nous allons démarrer. Ensuite, je rappelle que la salle d'eau se trouve juste à ma gauche ici, après la porte, tout droit au fond pour les dames et juste après la porte pour les hommes, pour ceux qui voudront se soulager. Enfin, il y aura un cocktail qui sera servi en fin de session. Chers Toastmasters, distingués invités, l'un des avantages aussi d'adhérer à Toastmasters, c'est aussi de pouvoir développer notre réseautage. Et donc, je vais laisser l'opportunité à chacun de vous de se présenter à l'auditoire, de sorte qu'on sache avec qui nous allons prendre part à cette session. Donc, vous allez donner votre nom et votre prénom, votre fonction dans la vie active. Si vous êtes un invité, vous le précisez. Si vous êtes aussi un Toastmaster appartenant à un autre club, vous le précisez. Si vous campez un watch ce matin, vous le précisez. Donc, nous allons commencer avec notre animateur à gauche. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Hervé Bas. Pour cette session, je serai animateur. Je suis membre du club de l'OAT Toastmaster Club où l'an dernier j'étais président. Donc, je suis immédiate passe présidente. Pour ce mandat, je suis directeur du secteur 55 de la division N et je vous souhaite une très belle session à tous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Joseph Cédric Marant, AET de la 67e promotion et vice-président de l'AET Toastmaster Club. Et donc, pour aujourd'hui, j'aurai la gageure de compléter le rôle de chronomètre sur ce bonne session à tous. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, mesdemoiselles. Je suis Quadio Arzine Chris Ariel, AET la 75e promotion et je suis invité à Toastmaster Club pour cette session. Alors, comme c'est ma première fois, je vous demanderai à tous d'être indulgents. Merci beaucoup et succès, bonne session à tous. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je me trouve au nom de Samuel Kouadjo, jeune parlementaire, président du Parlement des Jeux de la commune de Cocody. Et j'aurai l'honneur de camper le rôle du commentateur de la pensée. Merci bien, bonne session à tous. Bonjour à tous. Je suis Delbert de l'État, jeune parlementaire. Et là, c'est la première fois que j'assiste à mon Toastmaster. Merci. Bonjour, je suis Ouattara Sarah, chargée de programme, chargée de relations publiques au CCM Fonds mondial. Et c'est ma deuxième fois de participer à Toastmaster de ce club, enfin à ce club. Et merci et bonne session. Merci.
toutes et à tous. Je suis Asselon Poutou, jeune parlementaire. Et c'est ma première fois d'assister à cette section. Je vous remercie de ton section. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Dame Michael Akko. Je suis présidente du club Atoulan Toastmasters. Nous tenons notre session chaque premier et troisième samedi du mois, à partir de 15h à l'INSAC. Je suis mariée et mère de trois charmantes filles. Dans la vie active, je suis responsable achat et qualité dans une structure de la place. Et pour cette session, je camperai le rôle d'évaluatrice générale. Bonne session à tous. Merci. Bonjour à tous, je suis Vanessa Kofi, nouvelle Toastmaster du club Alisma. Je suis brand manager pour les montures de luxe dans la vie active. Aujourd'hui, j'assurerai le rôle de veilleur. Bonne session. Merci. Bonjour à tous, je me nomme Miepol Silué. Dans la vie active, je suis étudiant militaire. Et aujourd'hui, je déclamerai mon premier discours à Toastmasters. Bonne session. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je me nomme Leopold Teddy Michel, étudiant militaire et secrétaire général de ce club. Aujourd'hui, je serai un orateur et j'espère que mon discours favorisera la reconnaissance du vocabulaire. Merci. Bonne chance. Merci. Bonjour à tous. Je suis Niesan Dukaël, arrêté de la 112e promotion de l'UMPT, étudiant militaire et étudiant aussi en master de droit des affaires fiscalité à l'UCAO. Pour cette session, je comprends le rôle du troisième orateur. Merci et bonne session à tous. Merci. Nous allons continuer les présentations avec des participants qui sont en ligne. Nous allons continuer avec les participants qui sont en ligne. Nous voyons qu'on était 5 profs. 5 profs, c'est un problème. Ok. 5 profs, est-ce que vous pouvez vous présenter avec Victoire? Allô? Allô? Oui, allô, on vous entend? Ok, bien, bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Kofi Assemia, Paul David. Ok. J'ai été invité toujours pour cette session. Dans la vie active, c'est un Kofi militaire, AET par ailleurs, de la 65e promotion de l'Université de Benjaville. Et c'est un plaisir, voire un privilège pour moi de prendre part à cette session. Sur ce bon soutien, je vous remercie. Merci, ancien. GDM Régime Ablon. Bonjour à tous. Je suis. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis la DTM Régine Ablon. Je suis à Beaumet-Calavi. Je suis past directrice de la division B. J'ai déjà été, bien entendu, directrice de secteur et présidente de mon club Galaxy Toastmaster Club de Calavi. Bonne session à tous. Merci. Nous voyons également connecter un évaluateur de discours, Hilarion Agoï. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je suis Hilarion Agoï, membre de AET Toastmasters Club. Je suis informaticien dans un établissement financier. Et pour ce jour, je camperai le rôle d'évaluateur de discours. Bonne session à tous. Merci. Et nous allons terminer enfin par... Ok, nous prenons les deux dernières personnes. Olivia. Miss Olivia. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Olivia Doucouré, je suis juriste d'entreprise. Je suis invitée pour cette session de formation. Bonne session à tous et à toutes. Merci. Et enfin, Amara.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Amara Konaté. J'ai été secrétaire du secteur 10, deux fois vice-président à l'éducation de mon club Planète Mali. Et cette année, je suis le président du 10 club. Ce matin, j'ai la lourde tâche de compter les hésitations. Et je vous exhorte à ce que les hésitations ne soient pas recrudescentes durant la session. Merci. Merci. OK, ainsi prend fin les différentes présentations. Je vais à présent céder le train à celui qui va présider cette session. Et celui qui va à présent prendre la parole est un homme d'une simplicité remarquable. Il est dynamique, ambitieux, très talentueux et surtout ouvert aux autres. Il a adhéré à Toastmasters International depuis 2021 dans le but d'améliorer ses aptitudes à parler en public et à diriger. Il a fait ses premiers pas au sein du mythique club Logos et quelques mois plus tard, sous son leadership, ce club qui vous reçoit est né officiellement en janvier 2022. Il adore la lecture et le voyage. Son pays de rêve, c'est le Canada. Son plat préféré, c'est le foufou. Et aussi, sa citation favorite est « C'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Dans la vie active, il est militaire du grade de lieutenant. Il est en fonction à l'état-major de l'armée de l'air. Et c'est un assoiffé de connaissances nouvelles. Il est inscrit en Master 1 en management à l'ESATI. Et grâce à son dynamisme, plusieurs certificats de reconnaissance lui ont été décernés au cours du mandat 2021-2022. Je pourrais citer en autres certificat de reconnaissance en tant que sponsor du nouveau club AET Toastmasters Club, certificat de reconnaissance pour son appui à l'atteinte des objectifs du secteur 24 pour le mandat 2021-2022. Certificat de reconnaissance pour son appui à l'atteinte des objectifs du secteur 24 en sa qualité de secrétaire chargé des relations publiques pour le mandat 2021-2022. Aussi, le certificat de reconnaissance en tant que membre qui atteint le niveau le plus élevé au sein du club AET Toastmasters Club pour le mandat 2021-2022. Et tenez-vous bien, il a été aussi désigné Toastmaster de l'innovation au cours du mandat 2021-2022. Je voudrais qu'ensemble, sous vos ovations, qu'on reçoive ici celui que j'appelle affectueusement président fondateur de Toastmasters, Arthur Saïn. Ça peut être encore une fois. Bonjour à tous et à toutes, chers Toastmasters et mes invités. Bienvenue ici au siège de l'Amicale des AET, dans le cadre de la toute première session de formation en art oratoire et de leadership du club AET Toastmasters Club pour le mandat 2022-2023. En effet, cette session est dénommée Premier cours du Mali, car aujourd'hui aura lieu la toute première session de formation du club AET. Il est important de notifier que le club AET fait partie désormais de la division O et du secteur 44. La division O est dirigée par le DTM, l'ancien Diabaté, et le secteur 44 est dirigé par le Toastmaster Bienvenu Nangoni. Alors, avant d'entamer notre session de formation, nous nous accorderons une minute de silence afin de pouvoir recentrer nos idées sur cette formation qui commencera incessamment. Alors, à mon coup de maillet, sous l'œil bienveillant de notre chronométreur, la minute de concentration démarrera. Je te laisse le...
Je vous remercie. La jeunesse représente le pilier de toute nation. Elle doit donc voir en chaque opportunité qui se présente un challenge et une chance de démontrer son potentiel et son engagement. D'ici, Elvis Adjamba. Cette citation de Elvis Adjamba sera commentée par un invité qui est le président du Parlement des jeunes de la commune de Cocody. Et aujourd'hui, il se fera fort de commenter la pensée du jour. J'ai nommé l'invité Samuel Kwadio. Bonjour à tous, chers Toastmasters, chers invités, chers publics en ligne. Je me ferai fort de commenter cette pensée de Elvis Adjamba énoncée à ses écrits. La jeunesse représente le pilier de toute nation. Elle doit donc voir en chaque opportunité qui se présente un challenge, une chance de démontrer son potentiel et son engagement. Elvis Adjamba est de nationalité béninoise, 26 ans, de formation juriste. Il a participé à plusieurs travaux sur l'engagement de la jeunesse, les droits de l'homme et l'inclusion des jeunes. Il a eu pour partenaire lors de ses différents travaux l'UNICEF, le PNUD, l'Organisation mondiale et l'Union africaine. Ces travaux ont permis de toucher plus de 300 jeunes en Afrique subsaharienne et dans le monde. Raison pour laquelle, depuis 2018, il a créé le Forum de la jeunesse et du développement durable et les Youth Talks, qui ont réuni aujourd'hui 300 jeunes leaders et jeunes chercheurs d'Afrique. À travers les approches multisectorielles et multidimensionnelles. En tant que jeune, il est l'un des 100 jeunes parmi les plus influenceurs de l'année 2022, déclaré par l'ONU. Il occupe aujourd'hui le poste de représentant pays du Centre africain pour la solidarité et l'entraide entre les communautés. Que me fait penser cette célèbre pensée de cet auteur? En effet, les différents recensements de la Côte d'Ivoire ont clairement montré que la population ivoirienne est environ 75,6%, ce qui démontre que notre population est très jeune. Et cette population-là, sans doute, serait être le véritable pilier de développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle la formation est de base pour cette jeunesse qui se veut leader de demain. Je ne serai en dit plus en disant que les organisations telles que Toastmasters International ou même le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire contribuent énormément au développement de ces jeunes afin de les apprendre les outils nécessaires, de les outiller et même de leur donner
la valeur nécessaire et l'engagement nécessaire afin de développer leurs différentes potentialités plus tard. En tant que jeunes, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, car en tant que pilier, il y va de soi que la nation compte énormément sur nous. Nous devons prendre à bras le corps notre développement personnel afin d'être le pilier tant attendu, non seulement par la Côte d'Ivoire, mais aussi par l'humanité. Ainsi était ma commentaire de cette pensée. Merci. Merci. Félicitations, cher président, et merci pour ce commentaire instructif et sérieux. Passons à présent aux affaires administratives. Deux informations majeures sont à retenir. Au niveau de la division O, veuillez noter que la formation des officiers de la division O suffira selon le calendrier suivant. En marge de la rentrée solennelle, la première partie aura lieu en présentiel le samedi 23 juillet 2022. À l'hôtel de Verso à Angrée, 7e tranche, de 8h30 à 12h30. La deuxième partie aura lieu le samedi 30 juillet 2022 en ligne, à partir de 8h30. La présence de tous les officiers des clubs et du secteur est nécessaire et comptable pour le DCP. Cette formation vous permettra de recevoir les outils nécessaires pour aborder l'année avec sérénité. Deuxièmement, il faut noter que les renouvellements sont ouverts et c'est l'affaire de tous. Tous les renouvellements doivent se faire jusqu'au 30 septembre 2022. Nous invitons donc les membres de l'AET Toastmasters Club à s'acquitter de la somme de 30 000 francs afin de renouveler leur adhésion à Toastmasters International. Je suis 7. Le président de l'AUT Toastmasters Club, mais je ne suis pas celui qui va devoir animer cette session. En effet, pour animer cette session, nous avons fait appel à un parangon de l'art oratoire. Dans la vie active, il est directeur technologie, data et cyber. Il est marié depuis 8 ans et père de 2 garçons. Il est le président fondateur du Mythic Club de l'Ouattara, Toastmasters Club, et pour ce mandat, il aura à sa charge le secteur 55 de la division R. Sa station favorite est « Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait jusqu'au bout ». Je me répète, « Ce qui mérite d'être bien fait jusqu'au bout ». Philippe Chesterfield. Alors, j'appelle à ce vitrin le dynamique Toastmasters. J'ai nommé le Toastmaster Hervé Bar. On peut acclamer notre chef président. Très chers membres d'AET Toastmaster Club, distingués invités, très chers Toastmasters dans la salle, je vous salue. Merci pour cet honneur que vous me faites, très cher président, de pouvoir animer cette session. J'avais promis être là et malgré quelques difficultés, quelques soucis de santé, puisque jusqu'au mercredi, j'étais encore hospitalisé. Et donc, je n'étais pas très sûr de pouvoir être parmi vous. Mais je me suis dit qu'un homme ne vaut que par sa parole, parole qui a été donnée il y a quelque temps. Il fallait donc que je puisse m'acquitter de cette responsabilité en étant présent ce matin au milieu de vous, malgré ce temps pluvieux, pour qu'ensemble nous puissions partager ce qui nous passionne, ce qui nous maintient, ce qui nous donne envie d'avancer, l'oratoire et le leadership. Et je crois que si vous avez vous également bravé ce matin la pluie, c'est parce que vous avez soif. Soif d'apprentissage, soif de découverte, soif de partage. Parce que nous n'arrivons à grandir qu'en partageant les uns avec les autres.
Et c'est la raison pour laquelle je veux que nous puissions nous ovationner tous très fort. Pour ceux qui découvrent une session Toastmaster, elle se déroule en trois phases. Le président, tout à l'heure, demain de mettre à ton jour la première phase, qui est la phase administrative, où nous recevons les informations de la planète Toastmaster. Il s'agit pour lui de nous permettre de savoir ce qui se passe dans l'univers Toastmaster. Depuis Toastmaster International, le district 94, la division Pau pour vous et votre secteur, le secteur 44, mais en plus de ce qui se passe au sein de votre club, ce mythique club. Après cette phase, il y a une phase qui est qualifiée de phase éducative, phase durant laquelle plusieurs personnes vont se succéder au lutrin pour nous dispenser des discours, nous délivrer des discours qu'elles ont pris le temps de préparer, de répéter, de sorte à ce que nous puissions découvrir ce qu'elles ont à nous partager, ce qu'elles ont à nous communiquer ce matin. Mais en plus des discours préparés, nous avons aussi une phase que nous affectionnons chez Toastmaster International, qui est la phase des table topics. Entendez par là la phase des discours improvisés. Où celui qui aura la responsabilité de conduire cette phase nous interrogera sur un sujet et de façon impromptue, nous aurons à donner une opinion sur le sujet qui nous aura été proposé. À la fin de cette phase, nous aborderons la phase évaluative. Phase évaluative qui représente même l'épine dorsale de la méthode Toastmaster, car il est important qu'après avoir préparé des choses, après avoir dit des discours, nous puissions avoir un retour constructif sur ce que nous avons bien pu réaliser. Ce retour sera fait par une personne qui est très importante dans le dispositif Toastmaster lorsqu'on parle de session. Car, comme je le disais tantôt, les discours devront être évalués, mais toute la session, depuis notre entrée dans cette belle salle jusqu'à la clôture, devront également faire l'objet d'une évaluation. Et vous comprendrez que tout ceci doit être coordonné, tout ceci doit être magistralement dirigé. Et nous avons une personne qui est en charge de conduire la phase des évaluations. Chez Toastmaster International, on l'appelle l'évaluateur général de la session. Et ce soir, l'équipe du VPE, sinon ce matin, l'équipe du VPE est allée également nous chercher une personne spéciale, une personne dynamique, une Toastmaster d'expérience, une Toastmaster qui a le verbe, une Toastmaster qui appartient d'ailleurs à un club qui s'appelle Atum Blanc, le Tam Tam Parleur. Vous comprendrez donc qu'elle a l'art de la parole et qu'elle a cette capacité de nous envoyer dans un univers auquel nous n'avons pas l'habitude de nous introduire. Elle est présidente de ce club. Elle est mariée et mère de trois enfants. Elle est Toastmaster depuis 2021, mais ne vous fiez point aux chiffres, car elle a l'expérience qu'il faut pour nous permettre de vivre une session de très haut niveau. Elle aime la lecture et également, elle insiste sur le fait qu'elle aime bien dormir. Elle n'aime pas juste dormir, elle aime bien dormir, car elle aime que ses cellules puissent se régénérer au cours de son sommeil. Sa citation favorite est celle-ci. La plus merveilleuse découverte de tous les temps est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement d'attitude, de Oprah Winfrey. Distingués Toastmasters, très chers invités,
J'aimerais que nous puissions ovationner celle-là même qui va diriger l'équipe d'évaluation, la Toastmaster, la présidente Michael à cause de nos ovations. Mille Donald disait, et je cite, la vie commence à la fin de notre zone de confort. Et un proverbe chinois aborde dans le même sens que lui et dit, la fin de quelque chose est toujours le commencement d'autre chose. Amis de Toastmaster, distingués invités, lorsque nous avons une recrudescence d'objectifs à atteindre, nous devons passer à l'action. Et dans cette démarche, nous sommes constamment évalués. Nous recevons des appréciations, nous recevons des jugements de la part d'autrui qui nous permettent de nous bonifier, qui nous permettent de nous améliorer. Et cela est pareil aussi à Toastmasters. Dans notre quête de devenir de meilleurs orateurs, de meilleurs communicateurs, de meilleurs leaders, nous recevons également des évaluations. Nous sommes évalués lorsque nous prenons la parole. Nous sommes évalués lorsque nous utilisons la langue de Molière. Nous sommes évalués sur la gestion de nos langues. Bref, nous sommes évalués sur une recrudescence de compétences. Et rassurez-vous, cette évaluation est constructive et bienveillante à l'endroit de la personne qui la reçoit, car Toastmaster met un point d'honneur à cette évaluation. Vous comprenez avec moi que cette tâche n'est pas du tout aisée. Et heureusement, j'ai avec moi une équipe qui est dotée de recrudescence qualité. Cette équipe s'est longuement préparée pour vous délivrer une prestation hors pair. À l'appel de leur nom, chaque personne se lèvera et donnera la quintessence de son rôle. La première personne de mon équipe est le meilleur, j'ai nommé Toastmaster Vanessa Kofi. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le rôle du meilleur à Toastmaster? Sous vos ovations. Merci Toastmaster, vous avez invité. Nous sommes présents aujourd'hui, malgré cette pluie diluvienne, pour assister à la première session de AET Toastmaster, comme mentionné précédemment. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 1, 2, 3, 4 illustres orateurs qui vont présenter des discours, je pense, de qualité. Et il nous faut faire montre d'acuité et d'écoute active afin de cerner l'essence, la quintessence de leurs discours. Alors aujourd'hui, j'assumerai le rôle de veilleur. En tant que veilleur, j'aurai la lourde tâche d'évaluer la qualité de votre écoute et de relever les recrudescences des sorties intempestives ou l'utilisation des téléphones. À la fin de la session, suite à la demande de l'évaluatrice générale, je rendrai un rapport et vous poserai une série de questions afin de mesurer votre écoute. Merci. Merci, Madame la veilleuse, pour cette belle présentation. Soyez attentif et soyez prudent car vous serez épinglé à la fin de la session. La deuxième personne de mon équipe est le compteur des hésitations. Toastmaster Amara Konate. Pouvez-vous nous dire à quoi consiste le rôle du compteur des hésitations à Toastmaster? Merci. Merci très chère évaluatrice générale, chers invités,
chers amis Toastmasters. Vous savez, l'être humain, lorsque nous parlons, nous émettons souvent des sons béquilles, des mots béquilles. Nous observons souvent des silences inutiles. Mon rôle ce matin, à cette merveilleuse session, est de compter ces sons et mots béquilles, à savoir et, des, bien, des perturbations. Mais alors, vous savez, E, A, M, des longues pauses et des silences. À la fin de la session, je donnerai des pistes d'amélioration, sinon des suggestions à votre demande. Merci et bonne session. Chers membres, chers invités, vous êtes prévenus. Respirez bien lorsque vous prenez la parole pour ne pas être épinglé par notre auteur des invitations. La troisième personne de mon équipe est le petit-fils de Molière. Madame Aïcha de... Monsieur le Président, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire en quoi consiste le rôle de veilleur à une session de Toastmasters? Si vous en avez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Parler en public, c'est encore mieux quand vous faites un bon usage de la grammaire, de la conjugaison, de la syntaxe et des autres règles de la langue française. C'est une forme de politesse à l'égard du public et c'est une manière de crédibiliser vos propos. Justement, lors de toutes les sessions à Toastmasters International, il y a une personne qui est chargée de vérifier que tous les orateurs respectent bien les règles de la langue, de la langue française. C'est le grammairien. Aujourd'hui, je campirai le rôle du grammairien. Mon rôle sera de souligner les bons usages de la langue française, mais également de souligner les imperfections. Et je vous proposerai des solutions et des pistes d'amélioration. Par ailleurs, le mot du jour est recrudescence, qui signifie réapparition sous une forme plus instance. C'est une... D'accord, je viens. D'accord, je viens. À la fin de la session, le mot du jour signifie réapparition sous une forme plus intense. Je vous invite à utiliser ce mot à foison. Je souhaite donc une recrudescence de la prononciation du mot du jour. À la fin de la session, je ferai un rapport. La première partie du rapport consistera à citer les bons usages de la langue française que j'aurai entendu, les belles phrases et les belles tenues. Et par la suite, je citerai les imperfections de la langue de Molière et je vous proposerai de meilleures tenues. La deuxième partie consistera à faire le bilan du mot du jour et je dirai combien de fois le mot du jour aura été cité. Merci, Madame l'Évaluatrice Générale. Soyez assurés, vous aurez une reconnaissance du mot du jour. À Toastmasters, nous avons des discours préparés. Et chaque discours est évalué par un évaluateur, si je me répète. Nous allons demander à un évaluateur de discours de nous dire en quoi consiste le rôle d'évaluateur de discours. Toastmasters Abibatu Adebo. Si je peux avoir le nom d'un évaluateur de discours dans la salle. Monsieur le Président, les évaluateurs sont allés. Ok. Toastmaster Abibatu Adebo, pouvez-vous nous dire en quoi consiste le rôle d'un évaluateur de discours à Toastmaster? Est-ce que la DTM Régine peut nous dire en quoi consiste l'évaluation d'un discours à Toastmasters, s'il vous plaît?
D'accord. Je dois évaluer ce matin un bris de glace. Bris de glace qui est le premier discours dans le parcours d'un Toastmaster et dans le programme Pathways. Lorsqu'on présente un discours au bris de glace, il s'agit de se présenter à l'auditoire afin d'être mieux connu par les uns et les autres. Vous faites partie d'un club, on vous voit chaque jour, mais est-ce qu'on vous connaît suffisamment? C'est l'occasion de se présenter, de dire qui on est, de choisir un pan de sa vie, de raconter sa vie peut-être avec des anecdotes, ou alors de raconter une expérience qui a marqué son parcours de vie, de raconter sa vie professionnelle ou universitaire, le choix est libre. De parler peut-être de ses traits de caractère les plus essentiels. C'est en ça que l'on fait un bris de glace, c'est en ça que consiste un bris de glace. Et l'évaluateur dira à l'orateur ce qu'il a déjà comme atout en tant qu'orateur qu'il a observé, mais il lui dira aussi quels sont dans les domaines dans lesquels il devra travailler, quels sont les domaines dans lesquels ses différents collègues pourront l'aider. Il ne s'agit pas de demander à celui qui fait son bruit de glace d'avoir tous les atouts et de l'évaluer sur ces atouts-là qu'on demande d'habitude à un orateur. Non, il s'agit de lui faire remarquer les avantages qu'il a déjà en tant qu'orateur, mais aussi les points principaux sur lesquels il devra travailler et sur lesquels les uns et les autres auront à l'aider. Voilà en quoi consiste l'évaluation de bruit de glace et en quoi consiste la présentation de bruit de glace. Si je ne me trompe, je dois évaluer aussi le discours de niveau 1 et qui est le deuxième discours. Ce deuxième discours, l'orateur est libre de choisir le thème qu'il veut. Il est libre de choisir un sujet. Je l'évaluerai principalement sur la structure de ce discours. Est-ce qu'il a bien entamé son discours? Est-ce que l'introduction était accrocheuse? Est-ce qu'elle attirait l'attention de l'auditoire? Est-ce que le développement se tenait avec des transitions harmonieuses et est-ce que la conclusion était telle qu'elle renforçait tout ce qui a été dit du début jusqu'à la fin du discours? À cette occasion-là aussi, je ferai des remarques constructives à l'orateur et je lui dirai ce qu'il a fait de bien et les différents points sur lesquels il devra s'améliorer. Voilà un tout petit peu en quoi consistera mon évaluation de ce niveau 1, projet 2. Merci. Je vous rends la parole, Madame l'évaluateur général. Merci beaucoup. PTM a expliqué en long et en large à quoi consiste un évaluateur de discours à Toastmaster. Le dernier membre de mon équipe est le garant du temps. Toastmaster Joseph Malan, pouvez-vous nous dire en quoi consiste le rôle du chronométreur pendant une session de formation Toastmaster? Sous vos ovations, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, je serai le gardien du temps tout au long de cette session et je tenais d'ores et déjà à présenter mes excuses à tous et à toutes pour mon retard. Et c'est à croire que le gardien du temps, c'est garder du temps lui-même. Alors, le modus operandi qui est lié à ma lourde tâche sera constitué de 3 cartons de couleurs différentes, de la couleur bleue, qui va notifier le début du discours pour un impétrant. La couleur jaune, qui va notifier que l'impétrant est arrivé à son temps médian. Et la couleur rouge, qui va notifier la fin de son discours. Et donc, l'impétrant se fera fort de pouvoir clore son propos.
et à la fin de la session, je rendrai mon rapport sous l'œil bienveillant de l'évaluatrice générale. Je vous remercie, madame. Une petite suggestion pour nos invités. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'un discours et leur expliquer comment est-ce que ça marche pour un discours, un bruit de glace, par exemple? Pour un bruit de glace, alors pour un impliquant qui va discourir pour le bruit de glace qui sera entre 4 et 6 minutes, aux premières minutes de son discours, je lui présenterai mon carton bleu pour lui indiquer qu'il commence son discours. À 2 minutes 30, je lui présenterai mon carton jaune pour lui dire qu'il est au milieu de son temps. Et à la 6e minute, je lui présenterai mon carton rouge pour lui indiquer qu'il est à la fin de son temps de discours. Donc, il suffira fort de pouvoir clore son propos dans les 5 secondes qui suivent. Dans les 30 secondes qui suivent. Merci. Merci. Cette belle présentation. Quant à moi, monsieur l'animateur, j'évaluerai tout ce qui se passera au cours de cette session et à la fin de la session, sous l'œil vigilant de l'animateur, je rendrai mon rapport. Monsieur l'animateur, on peut ovationner qui nous ont présenté leurs différents rôles. Vous l'aurez encore compris, toute la session sera évaluée. Nos attitudes, le niveau de langue, la fluidité langagière, mais aussi le respect des objectifs qui nous auront été assignés pour chacun des discours que nous aurons à prononcer. Mesdames et messieurs, distingués Toastmasters, chers invités, cette session est sous le signe du premier coup de maillet. C'est l'occasion qui a été trouvée également pour certains Toastmasters de prononcer leur premier discours. Ils ne pouvaient pas mieux choisir car c'est un moment où tout est nouveau, tout est premier. Nous ne leur tiendrons donc pas rigueur pour certaines imperfections. Même si nous sommes à la recherche de la perfection, quelqu'un nous dit qu'elle n'est pas de ce monde. Mais nous croyons que nous pouvons en faire une quête qui nous permettra de tendre vers. Ce matin, une personne s'est préparée depuis plusieurs semaines. Depuis qu'elle a adhéré à Toastmasters, on lui a dit qu'il faudra prononcer ce discours, ce fameux discours. Ce discours brique de glace. Il faudra s'ouvrir. Il faudra laisser l'autre nous découvrir. Dire des choses que nous n'avons pas l'habitude de dire. Et qui plus est, nous allons devoir affronter des regards que nous ne connaissons pas. Mais ces personnes ont le courage de surpasser tout ce que j'ai pu dire qui pourrait représenter des obstacles et ont décidé aujourd'hui, malgré l'appui, malgré la peur, malgré le fait d'avoir l'impression de faire un saut dans le vide, elles ont décidé d'être quand même là pour nous prononcer leur discours. Nous aurons droit à une brochette de discours avec principalement 3 bris de glace et un discours de niveau 1, projet 2. Nous commencerons donc naturellement dans la dynamique des premiers avec le premier qui dira son premier discours ce matin. C'est un Toastmaster. Il est ancien enfant de troupe, étudiant militaire. Je vais vous laisser le découvrir tout au long de son discours. Car quand je lui ai demandé quelle est ta citation favorite, il m'a dit, vous allez découvrir cette citation dans mon discours. Nul besoin d'annoncer dès maintenant ce que j'aime. Vous le découvrirez. C'est la raison pour laquelle, moi également, je suis impatient d'entendre ce discours
qui me permettra de découvrir notre orateur, car habituellement, l'animateur a la primeur de connaître les orateurs en recevant leur présentation. Mais aujourd'hui, ils m'ont dit, calme-toi, tu vas aussi nous découvrir. Très cher Toastmaster, distingués invités, j'aimerais annoncer, appeler à celui train le Toastmaster Miefol Silué pour son premier discours. Sous vos ovations, s'il vous plaît. On acclame jusqu'à ce qu'il arrive ici. On acclame jusqu'à ce qu'il arrive ici. Monsieur l'orateur. Roger Fournier disait, les souvenirs, c'est ce que l'on peut amener de plus beau dans l'éternité. Aujourd'hui, le souvenir le plus beau qui me vient à l'esprit, c'est que dans mon enfance, la médecine me passionnait. Et donc, grand acteur que j'étais, je m'amusais à imiter les médecins avec mon petit frère. Bien sûr, j'étais le pédiatre et lui le patient. Et autant vous dire que mes ordonnances et mes diagnostics étaient irréfragables. Quelle époque. Mais bref, je me nomme Silué Miefol. Je suis né le 27 mars 2004 à Abidjan. Je suis étudiant militaire en faculté de sciences économiques et de gestion à l'Université des Lagunes. J'ai trois passions. Le voyage, le cinéma et l'art oratoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous m'entendrez parler d'abord de mon enfance d'aventurier, ensuite mon premier court-métrage et enfin ma passion pour l'oratoire. D'abord, mon enfance d'aventurier fait référence au voyage. J'avais 6 ans. Bien que j'allasse à l'école, ma mère m'avait appris à utiliser un logiciel d'édition de texte qu'on appelle Microsoft Word. Et donc, à tout moment, j'écrivais ce qui me passait par la tête et j'imprimais. À cette même époque, je ne sais pas par quel hasard, mais je connaissais deux pays, les États-Unis et la Syrie. Mon rêve à 6 ans était de voyager par avion et les États-Unis étaient ma destination. Je connaissais un peu les documents qu'il fallait avoir, un passeport et un billet d'avion. Ma technique était la suivante. J'écrivais mon nom, ma date de naissance et ma destination sur Word. J'imprimais, c'était mon billet d'avion. Ma carte scolaire faisait office de passeport. Après cela, j'arrangeais mes affaires. Une fois ma valise prête, j'annonçais mon départ à ma mère. Elle me disait, fais bon voyage. Je sortais de la maison, je marchais jusqu'à la barrière de la rue et je retournais à la maison. Et j'ai fait cela plusieurs fois. Jusqu'à seconde classe de 5e, pendant les vacances scolaires, j'ai eu à prendre un vol. Mon destination, l'Angleterre. Voilà un rêve devenu réalité. En dehors de l'aventure, il y a autre chose qui me fait voyager. Et cette chose, c'est le cinéma. En classe de 3e, j'ai commencé à avoir un attrait pour le monde du cinéma. En particulier pour les scénaristes qui, je trouve, sont des personnes créatives. Il y a des moments où je me sens beaucoup créatif. Et en classe de 3e, je dédiais ces moments à l'écriture de mini-films. J'en ai parlé à ma famille, ils étaient quand même intéressés, à part mon père qui pensait que je voulais faire du journalisme, mais bon. J'avais demandé une caméra si j'obtenais le BEPC. Et à l'obtention de cet examen, mon père m'a offert une caméra. Il l'avait achetée depuis 2004, il l'utilisait pour les photos de famille. Détenteur de cette caméra, j'ai eu l'idée de faire un court-métrage. Je regardais le journal de 13h, je me suis dit, présenter un journal qui me donnerait envie de regarder le journal. C'est pas mal. Pourquoi ne pas faire un journal folklorique? Alors, en 2 heures, j'ai écrit un scénario. Et le lendemain, comme il avait les cousins, on a fait à peu près 4 heures de tournage. J'étais producteur, réalisateur, scénariste. L'un était le présentateur et d'autres jouaient des rôles annexes. J'ai appris en temps
éditer des vidéos. Du coup, après le tournage, j'ai monté avec des effets comme un vrai journal. J'ai exporté la vidéo, je l'ai mis sur une clé USB et j'ai branché la clé USB à la télévision. Et je peux vous dire que tous ceux assis au salon étaient heureux de voir de telles prouesses. Cela m'a permis d'avoir une expérience personnelle de ce que c'est le cinéma. Mon amour pour le cinéma m'a fait aimer un film qui s'intitule Le Loup de Wall Street. C'est un film sur la bourse qui met en exergue un personnage du nom de Jordan Belfort qui a su dominer le monde de la bourse en vendant de fausses parts d'entreprise à des gens pauvres des États-Unis, puis à des gens riches des États-Unis. Et cela n'a rien existé. Il arrivait à persuader n'importe qui. Mesdames et messieurs, c'est en voyant de tels exploits qu'est née ma passion pour l'art oratoire. J'ai fait des recherches, j'ai lu des ouvrages et des mots redondants qui existaient, étaient à oratoire et éloquence. Alors j'ai approfondi ces deux termes et j'étais impressionné. Après cela, à la maison, mon grand-père a invité la famille pour qu'on lui apporte du soutien à un concours d'oratoire organisé par son université. Nous sommes allés et j'étais stupéfait de voir un cocktail d'éloquence, de charisme et de lyrisme. C'est ainsi que j'ai entendu parler de Toastmasters et mon frère m'a dit que Toastmasters c'est un niveau encore plus haut et qu'en plus d'apprendre à parler en public, on t'apprend à être un leader. Laissez-moi vous dire que je suis toujours heureux de m'arrêter devant des gens, d'avoir le monopole de la parole et de parler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, AET Toastmasters Club a entendu un jeune homme qui a réalisé son rêve, un jeune homme qui écrit un court-métrage et un jeune homme friand d'art oratoire. Peut-être que mon histoire a amusé certains, peut-être que mon histoire a amusé d'autres, mais je terminerai mon propos en vous laissant vous délecter de cette affirmation de Mac Brown, ancien gagnant du concours international de Toastmasters, qui dit « Ton histoire n'a pas besoin d'être sensationnelle, elle a juste besoin d'être sincère. » Chers Toastmasters, chers invités, 5 mots avant de quitter ce crachoir, il me faut le sonara. J'ai pris énormément de plaisir à vous écouter, très cher. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai voyagé avec lui. J'ai découvert un aventurier, un scénariste, un amoureux de l'art oratoire. J'ai compris que tout petit, il aimait faire le médecin. Et donc, quand il a dit qu'il est étudiant militaire en sciences économiques, j'ai dit, ah, pas en sciences de la médecine. Donc, d'accord. En tout cas, bravo, merci beaucoup pour ce discours qui nous a permis de mieux vous connaître. C'était très intéressant à écouter. J'ai surtout aimé votre brin d'humour. Nous allons passer à un deuxième discours. Je vous ai dit que nous aurions droit à une brochette de discours. Nous avons eu la première bouchée et nous allons passer à la seconde avec un autre Toastmaster. Lui également, il est AET, étudiant militaire, et il a décidé de s'ouvrir à nous ce matin avec son discours bruit de glace. J'espère que l'évaluateur de son discours est là. D'accord. Nous allons donc accueillir à ce lutrin une autre personne qui m'a dit, comme la précédente, que je découvrirai sa citation, tout ce qu'il y a à savoir pendant son discours. Souffrez donc que je n'annonce que son nom, de sorte à ce que, comme moi, vous découvriez qui est cette personne tout au long de son discours. Toastmaster Michel Lepois, sous vos ovations.
Je remercie Monsieur l'animateur pour la richesse ainsi transmise, vu qu'il m'a donné la parole. Elle vaut de l'or. Et j'espère qu'à la clôture de mon discours, chacun rentrera à l'esprit bien nanti. Mesdames et messieurs, respectables invités, honorables Toastmasters, soyez salués. Au lutrin se tient devant vous un individu de teint noir, je dirais bronzé, mesurant 1m73, avec la voix grave de nature basse, avec un gros nez et un menton croisé. Eh bien, n'importe qui pourrait deviner ces caractéristiques, mais ces traits ne me définissent pas entièrement, car toute personne pourrait les avoir. Dieu a doté l'homme d'une si grande intelligence que sa curiosité se met en marche à la moindre pensée, au moindre regard. Vous devez sans doute vous demander, mais qui je suis? Qui se tient devant vous à parler? Mesdames et messieurs, vous me découvrirez à travers quatre étapes de ma vie que j'appelle mes quatre vérités. Mon enfance merveilleuse, ma désillusion, ma formation et mon engagement. D'abord, la première partie concerne mon enfance. Elle est si belle et digne d'un film Disney. Je l'intitulerai « Aide au pays des merveilles ». Tout débute le 11 décembre 2001. Une magnifique femme met au monde un boutou. Un garçon tout rond, bouffu. Ses parents le nommèrent le Kwabi Teddy Michel. Dans cette même période, un artiste bourreau faisait les éloges d'un héros régional qu'il appelait Oyi. Eh bien, c'est ainsi que ma famille m'a également attribué ce surnom, qui signifie Kalash. Kalash ou la crosse d'un fusil. Je connus une enfance adorable avec des parents qui montraient l'exemple de l'amour et des aînés bienveillants. J'étais un garçon passionné par l'armée, la tenue militaire. Il va sans doute dire que mon surnom agissait sur moi. Mais rien n'est parfait. Ensuite vient la deuxième étape de ma vie, qui se caractérise par ma désillusion. Alors que j'étais dans ma bulle de rêve, sans vraiment prendre conscience de l'atmosphère familiale, mes parents ont... C'était en 2007. Je m'en rappelle encore. Je ne comprenais rien. Je me rappelle de maman qui me tenait la main en quittant la maison, en m'emportant avec ma petite sœur. Je croyais qu'on partait en vacances. Je pensais que ça ne durerait pas. Hélas, je me trompais. Je compris plus tard. J'étais si petit et je devais être l'homme de la famille, la petite famille. Veiller sur ma mère, veiller sur la petite sœur, beaucoup plus faire attention à moi, mieux saisir l'éducation maternelle. Autant de responsabilités pour un rêveur, de quoi transformer le turbulent en bon garçon. Puis la troisième étape se caractérise par ma formation militaire qui commence en 2011 avec ma brillante admission au concours d'entrée à l'école militaire préparatoire et technique de Benjaville. C'est là que mon statut d'homme prend tout son sens. Je rentre enfin dans l'univers que j'avais tant convoité. J'ai une nouvelle famille, la 72e promotion. Je prête serment de porter mes galons avec honneur et fidélité. Durant ce parcours, les formateurs nous ont inculqué bien des valeurs. La discipline, la solidarité, le sacrifice, le goût du travail bien fait, la dignité et d'autres vertus. En 2017, je clôture ma formation militaire par l'obtention du bac avec mention en tant que candidat libre, en classe de première A1. Quelle joie pour ma mère. Quelle fierté pour mon père. Le bac à 15 ans. Je rentre ainsi dans la grande famille des AET et gagne une place pour la faculté de droit de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Enfin, la dernière étape, 2018. Ah, quelle année. Résultat de fin d'année. Je reçois le bien avec un mot bizarre en bas de page. Ajourné. Je ne voulais pas y croire. Cela ne me correspondait pas. Non, pas moi. Pas le jeune bachelier.
Je me déplaçais à l'université pour voir de moi-même, espérant que ce soit une mauvaise blague. Mon déplacement ne changea point le cours de l'histoire. Je repris ma classe, ma confiance en moi diminua, les pas étaient déçus. Quoi de mieux qu'un échec pour enseigner l'humilité et la persévérance? Je compris la leçon. Depuis lors, je garde la tête haute sur les épaules et veille à remplir mes devoirs. Il manquait un plus à ma vie d'étudiant. J'étais devenu certes studieux, mais cela ne me suffisait pas. Je me sentais attiré par l'art oratoire. Ma zone de confort me dégoûtait et je voulais coûte que coûte être à l'aise lorsque je parle en public. Mais ces ambitions-là ne venaient nulle part ailleurs que d'une admiration vouée à mes parents, lesquels je trouve être de très bons orateurs. Ainsi, je m'engage dans un club de plaidoirie et d'art oratoire dans mon université. Je fais des concours de plaidoirie, je suis nommé meilleur plaideur et je finis par être président de club. Dans ma quête d'apprentissage de l'art oratoire, j'ai reçu non pas par le fou du hasard, mais grâce à ce que certains appelleraient la loi d'attraction, une invitation du président Sahin, à ma droite ici présent, à prendre part à la première session de formation du mandat dernier. Et invitation après invitation, j'ai fini par adhérer au petit club. Vous l'avez constaté, je ne suis pas un homme facile. Cette séance m'a impressionné, mais je voulais en voir davantage. Mon esprit friand d'éloquence, l'AET Toastmasters Club a fini par me séduire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je suis secrétaire général de ce club et la relation va s'en aller. Pour conclure mon discours, cher auditoire, mon vécu a favorisé la reconnaissance de mes qualités. Comme le disait Virgile pour encourager les plus grands héros de l'histoire, audaces, fortuna, miuvat. À chaque fois que je manque de courage, je me rappelle que la chance soutient les audacieux. Je vous remercie. Nous pouvons le bastonner très fort. Je vous avais prévenu. Les discours ont été préparés. Ils ont été très bien préparés. Mais comment s'attendre à moins lorsque nous sommes dans une entre avec des photos de généraux? Le travail bien fait. Telle est la devise de ces personnes qui nous accueillent et nous ne sommes point surpris par le résultat que nous voyons aujourd'hui. Notre orateur nous disait être passionné de tenue militaire, il était passionné par l'armée. Je me rappelle que quand j'étais petit, moi également, j'étais passionné de tenue militaire et je voulais même être marin. D'accord, je voulais entrer dans l'armée à l'époque. Et j'avais même passé le concours de l'IMPT, j'avais été reçu. Et ma mère, voyant son fils très paresseux, s'est dit, c'est possible qu'on le change là-bas. C'est la manière dont le changement va se faire qu'elle ne risque pas d'apprécier. Du coup, je n'ai plus rejoint l'IMPT. Mais je reste toujours passionné de tenue militaire et lorsque je regarde tous ces généraux, ils sont inspirants et je comprends qu'ils aient pu vous inspirer au point de nous délivrer des discours aussi structurés, pour certains remplis d'humour, pour d'autres de sérieux qui caractérisent l'armée. Mais ne pensez pas que nous avons fini, nous n'avons point fini, je vous avais annoncé une brochette, nous ne sommes qu'à la deuxième bouchée. Celui qui va venir est également AET, étudiant militaire, qui nous prononce aussi son premier discours, c'est le Toastmaster Michel Miezan, que je vous demande d'ovationner jusqu'à ce qu'il arrive à se déteindre. Monsieur l'animateur, pour cette introduction très qualifiante. Très chers invités, à part le Toastmaster, bonjour. Alors, en toute sincérité et après une réflexion, on m'avait demandé de trouver une citation. Le mandateur m'avait demandé de trouver une citation
commencer mon discours. Bon, moi déjà, je ne suis pas quelqu'un de très, très citation, de très mantra de vie, forme, de tout ça. Donc, mais quand même, j'ai fait des recherches poussées et j'ai pu trouver une qui m'a beaucoup plu, qui est de Socrate, qui disait « Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en ayant la pleine conscience de son amélioration. » Je pense que c'est une citation qui me définit particulièrement. Parce qu'au cours de ma vie, je n'ai cherché qu'à m'améliorer, pas à devenir meilleur, mais à chercher à devenir la meilleure version de moi-même. Je me présente, je suis l'AET liaison Michael, AET de la 12e promotion du MPT et de la 16e promotion du prétané militaire de Niamey. Actuellement, en master 1 privé professionnel à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, communément appelé UCAO. Mon discours va s'articuler comme suit. D'abord de mes premières années d'enfance qui ont été marquées par le divorce de mes parents. Ensuite, mon expérience au Niger et la recherche d'un idéal de vie. Je naquis un après-midi de septembre 2000 dans la commune de Cocody, les derniers vivants il y a circoncis. Puis, sans faire attention, me voilà propulsé dans une enfance de la classe moyenne, dans une banlieue populaire des deux plateaux. À 6 ans, je commençais déjà à expérimenter les premiers périls de ma vie. On m'a diagnostiqué un trouble de la concentration parce que je n'arrivais pas à compter de 1 à 10. Bien parce que je n'arrivais pas à lire les aiguilles d'une montre. Déjà, pour la petite anecdote, ce 1, j'étais tout au fond de la classe et le professeur me demandait de lire donc une petite montre qui était au fond de la classe. Déjà, je ne comprenais pas le principe de lire une montre sur laquelle il y avait des aiguilles. C'était quoi le but? Encore une fois, il dit ici du système qu'il faudrait changer. À 8 ans, j'ai dû faire face au divorce de mes parents. Bien qu'heureusement, je n'ai pas affecté mes études. J'étais le genre d'élève qu'on peut dire brillant parce que je finissais mon assiette en cantine. Et parce que je restais calme quand le professeur parlait sur les élèves. Après notre choix de mon CEP, j'ai eu la liberté de choisir l'école dans laquelle je voudrais aller, soit le MPT, soit les assistants directeurs. J'ai fait les deux concours, je les ai eus par la grâce de Dieu. Mais mon cœur me disait, vas-y vers le MPT. Pourquoi le MPT? Je ne sais pas, peut-être la carrière des militaires. La démarche, la prestance qu'ils dégageaient dans leurs uniformes, avec leurs épaulettes et tout. Mais aussi, je me demandais, mais pourquoi est-ce que des élèves qui étaient fourrés avec des culottes vêtes étaient meilleurs que d'autres? Je me suis dit, ok, bon, on va attendre. Je n'ai pas de réponse immédiate, car contre toute attente et après remaniement, je fus sélectionné pour poursuivre mon cursus à Niamey, au Niger. C'est à la fois une réjouissance et un bouleversement pour ma mère, pour qui se séparer de son jeune garçon était la dernière chose à espérer. Et il faudrait noter qu'à l'époque, à 11 ans, j'étais tout svelte, tout menu, tout petit, avec une énorme tête, vraiment comme un extraterrestre. Donc imaginez un peu comment j'étais la risée de mes camarades. J'avais déjà entendu parler du Niger, mais uniquement dans les livres d'histoire. Pour moi, c'était des mosquées, des tentes, des chameaux, comme dans le film d'Aladin. Mais bon, pour la première fois, j'étais sorti sans carte ni boussole, j'étais complètement désorienté. Que fallait-il faire? J'étais comme Harry Potter qui débarquait à Poudlard sans se douter qu'il ne serait pas confronté à un, mais à plusieurs Voldemort, les anciens. Si le temps passa, les jours se succédaient mais ne se ressemblaient pas. D'aucune manière, je me fis des amis comme des ennemis. Au cours de cette année passée-là, j'ai appris à cultiver l'esprit collectif, la discipline, la camaraderie et aussi la satisfaction du dur labeur. J'ai enfin compris en quoi est-ce que ces élèves-là se démarquaient des autres. En un mot, la débrouillardise. Le fait d'être cantonné dans un espace qui fait qu'il n'y a ni papa, il n'y a ni maman, je te retrouve à faire des choses pour lesquelles je te dis, mais alors, à quel moment est-ce que je me retrouve à me débrouiller comme ça, à faire les choses par moi-même. Ça, c'est l'une des qualités des enfants de tout. Et j'avais en quelque sorte vaincu ma peur de l'inconnu. Donc, si je ne l'avais pas dit plus tôt, j'avais peur de l'inconnu, de tout ce qui était nouveau. J'avais peur de tenter de nouvelles expériences. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré d'ailleurs au club Toastmaster, parce que c'était quelque chose qui me permettait de sortir de ma zone de confort.
Donc, dans cette école, tout était peut-être une routine, mais il fallait être sur le qui-vive, car tout pouvait basculer à n'importe quel moment. Et ça, ça a énormément aidé. Et aussi, d'un point de vue culturel, j'ai été au centre d'un énorme brassage culturel, parce que pour ceux qui ne savent pas, le prix d'année militaire de Niamey accueille pas moins de 10 nationalités. Du coup, en tant qu'Ivoirien, j'étais le seul, la première promotion d'Ivoirien. Et franchement, les références à Drogba ou bien à Arafat n'ont pas manqué. Franchement, on me disait, ouais, tout. Drogba, c'est le meilleur. Arafat, je sais, tu l'as déjà vu. Et aussi, les gens étaient passionnés par la culture ivoirienne. On me demandait, est-ce que tu savais parler ta langue? Honnêtement, j'étais un petit bourgeois, sans vouloir me dire griffe. Et je n'avais aucune connaissance de ma langue maternelle qui était la mienne. Quand on me demandait de parler, pour éviter d'avoir des ennuis, je créais des sortes de pomatopées et tout. Franchement, là, lorsque j'étais en dernière année de mon classe de terminale, ma vie n'a plus une nouvelle tournure. Il fallait se rendre à l'évidence. J'étais devenu un homme. Un nouveau chapitre de ma vie allait s'ouvrir. Je pensais que je n'étais pas prêt, qu'il me fallait encore du temps. Le temps d'établir une carte pour m'orienter. Mais j'ai réalisé que je n'en avais pas besoin. J'envisageais un avenir au sein de l'armée, et ce, malgré tout ce que j'avais enduré. J'imaginais un jour servir mon pays avec la plus grande des bravoures. J'ai décoré quelques années de la médaille d'honneur. Le retour final au Bercail fut un soulagement, ça pour l'avouer. La première fois depuis 7 ans, j'allais enfin pouvoir m'installer définitivement chez moi. C'était comme être de retour d'un voyage sur la lune. Les premières années avec Aro aussi étaient difficiles, mais bon, j'ai pu m'en sortir. Et le doute m'atteint ces dernières années. Quoique une question taraudait, qu'est-ce que je devrais faire puisque mes chances d'accomplir mon rêve s'amenuisaient. Une carrière militaire était toujours envisageable. L'évasion que j'avais sentie après mes classes militaires ont radicalement changé ma manière de penser. Et je me suis rendu compte que j'avais une pléthore de possibilités qui s'offraient à moi. Néanmoins, j'avais observé une recrudescence de ma peur du nouveau. Heureusement, j'avais réussi à vivre mon effet. En définitive, je ne m'étais plus par tâtonnement le monde qui m'entourait, en passant par le divorce de mes parents, jusqu'à ma vie au Britannique, j'ai toujours pensé que tout se passait exactement comme c'était censé se passer. Aujourd'hui, je projette une carrière dans le domaine du droit des affaires et en toute franchise, je commence à croire que je suis de plus en plus sur la bonne voie. Avec Toastmaster, c'est un saut dans le vide. C'est comme je l'ai dit, plutôt sorti de sa zone de confort, une bouffée d'air frais. Antoine de Rivarol disait, pour terminer, la parole est le vêtement de la pensée et l'explication, on est la mieux. Eh bien, muni de mes nouveaux projets de vie, vêtu du don de parole que j'aurai acquis ici à Toastmaster, et armé de la manière de la mettre en pratique, à travers le leadership, j'estime être prêt pour n'importe quelle bataille. Merci à tous. Monsieur l'orateur, monsieur l'animateur, ça va venir. C'est comme au printemps militaire, je m'en rends, on se salue tout doucement, tout doucement. J'espère ne pas être le Voldemort aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce discours qui nous a permis de vous connaître également. C'est toujours un plaisir d'entendre des bruits de glace. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime entendre des bruits de glace. Parce que nous avons l'impression d'avoir des personnes timides lorsqu'elles attendent leur tour et puis finalement, elles explosent, elles nous partagent de belles choses et on n'a pas eu envie que cela s'arrête. On a le désir de les écouter pendant des heures. Malheureusement, à Toastmaster International, un discours est circonscrit dans le temps. Mais je suis très heureux d'avoir pu écouter vos différents bruits de glace. Et nous allons continuer dans notre lancée avec un autre discours. Celui-là est d'un autre niveau. C'est un discours de niveau 1, mais c'est le deuxième projet de l'orateur qui va nous le présenter. C'est également un ancien enfant de troupe. Dans la vie active, il est superviseur chez un opérateur de téléphonie mobile.
Il est le VPE de ce club, entendait par là vice-président à l'éducation. Sa citation favorite, c'est « À force de travail, on parvient à quelque chose de potable. » À force de travail, on parvient à quelque chose de potable. Vous avez pu remarquer qu'ici, on aime travailler. On aime la perfection. Le titre de son discours, c'est « Le quotient émotionnel ». Le quotient émotionnel. Mesdames et messieurs, très chers Toastmasters, distingués invités, nous allons accueillir un affable Toastmaster, quelqu'un qui a le désir de grandir dans l'oratoire, mais aussi qui a le désir de perfectionner son leadership. Est-ce que notre orateur est prêt? Très chers Toastmasters, sous vos ovations, nous allons recevoir le Toastmaster Joseph Malan pour son deuxième discours. Premier coup de maillet, premier coup de gueule. Premier socle du noyau, j'en expose ses œuvres. Aujourd'hui, nous allons parler du quotient, non intellectuel, mais émotionnel. Nous sommes ici, anciens fonds de troupes, militaires, civils, étudiants et tous membres de l'AUT Toastmasters Club. Ici, on repart à la genèse des choses. Nous sommes humains par procréation, c'est-à-dire nés d'un père et d'une mère. Et ensemble, nous constituons le premier noyau d'appartenance qu'on va appeler la famille. Chers auditeurs, illustres Toastmasters et invités, au travers de ce thème qui va être soumis à notre sagacité, nous allons dépeindre le vécu rempli de péripéties de deux amis d'enfance aux réalités différentes. Nous vivons dans une société stéréotypée où les valeurs humaines tendent à disparaître pour laisser place à la recrudescence de nos erreurs, nous imposer ces lois et ces dictats, choses auxquelles nous ne pouvons nous défaire parfois malgré nous. Promotionnaire de classe et d'âge à quelques mois près, Genesis et Novissime sont deux élèves et amis qui brillaient et se faisaient remarquer par leur travail et leur rivalité saine. Tous deux, issus de classe moyenne, se disputaient toutefois les rangs de premier et deuxième lors des compositions et examens durant toute leur scolarité primaire. Une fois le CEB obtenu, nos deux amis nourrissaient le désir d'être des modèles de réussite pour eux, leur famille et pour le pays tout entier. Sauf que cette année-là, Novissime et ses frères sont confrontés au divorce de leurs parents suite à de longues années de divorce mixées d'une atmosphère familiale au goût amer qu'ils ont du mal à digérer. Un mois après le divorce, lui et son père quittèrent la ville, laissant ses frères et sa mère pour un autre ménage. Coïncidence? Je ne pense pas. Voici Novissime inscrit sur la liste des enfants issus de familles recomposées. Et comme l'adage le dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le temps passait et il croupissait sous le traitement rempli de mépris et de condescendance
de sa nouvelle mère et puis sous le regard silencieux de son père. Peu à peu, la dépression, la colère et les échecs deviennent ses conseillers, lui dérobant ses ambitions et ses rêves de réussir. Déstabilisé dans ses fondements, après l'absence, avec l'absence quasi totale de son père, à seulement 22 ans, avec pour seul diplôme le CEP, Novissime en prend la poudre d'estompette. Livré à lui, il embrasse toutes sortes de débauches avant de se convertir en serveur à temps partiel dans un établissement de nuit, puis vendeur de produits illicites et enfin financier de maquis. Celui qui, depuis le bas âge, était en lice pour être un haut cadre de cette nation, se voyait être déchu de ses prérogatives. Tandis que Genesis, son ami d'enfance qui avait bénéficié de bonnes grâces de la vie au sein d'une famille au soutien indéfectible, les uns pour les autres, avec des parents regardant sur l'éducation et l'évolution de leurs enfants. Celui-ci venait de poser ses valises à Abidjan. Après plusieurs années passées dans les sillons de banques d'affaires londoniennes et américaines, prêt à servir son pays en tant que conseiller au cabinet du ministre des Finances. Nous sommes face à un récit pathétique, à caractère mélancolique, qui met en exergue deux amis au quotient intellectuel affirmé. Partis pour un avenir radieux, ils se sont vus emprunter deux voies aux antipodes les unes des autres du fait d'un facteur qui jusque-là reste à négliger, le quotient émotionnel. Aujourd'hui, notre société ne tient compte que du quotient intellectuel. La preuve est qu'on ne met pas toujours à nu les épreuves émotionnelles auxquelles nous sommes soumis. Imaginons, et tant soit peu, que ces deux histoires ci-dessus n'avaient pas été mises à découvert, certains auraient applaudi et félicité le brillant parcours de Genesis, et d'autres auraient voir celui de Novici. Alors que les épreuves émotionnelles existent et sont souvent la partie cachée de l'iceberg de nos vies. De même qu'un esprit dans un corps est plus disposé et productif, une personne ambitieuse a besoin d'un environnement propice pour voir son potentiel se déployer. Et pour clore mon propos, je vous dirai qu'ignorer le quotient intellectuel serait ignorer une partie de notre existence elle-même. Sinon, pourquoi elle fait partie de nous? Sur ce, soyez fidèles à vos convictions, apprenez de vos erreurs, de celles de vos pères et de vos compères, créez votre environnement, soyez équilibré et brillez tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le pasteur qui a fait le bien. Conviction, briller tout simplement, quel mot de fin. Quel mot pour venir marquer le crépuscule de tout ce que nous avons pu préparer comme discours. Mais croyez-moi, la phase éducative n'est pas encore terminée. Je vous l'avais dit, nous aurons des discours préparés d'une part, mais d'autre part, des discours dits improvisés ou tout simplement table topics. Et cette phase est conduite par une personne dont le rôle est de préparer également des scénarios qui nous seront soumis de sorte à ce que, à brûle pour point, nous intervenions sur des sujets qu'il nous proposera.
notre topic master du jour, le Toastmaster Aristide Nyangoran, a pris la peine de nous concocter quelque chose d'inédit. Je ne vous en dis pas plus, car lui-même viendra pour nous mettre l'eau à la bouche, de sorte à ce que nous vivions une session Table Topics de haut vol. Nous pouvons acclamer notre Topic Master jusqu'à ce qu'il arrive à celui-là. On ovationne encore, monsieur l'animateur. Chers Toastmasters, distingués invités, pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser. C'est sur cette citation de Isaac Asimov que nous allons entamer la phase des Table Topics, ou si vous voulez, la phase des discours improvisés. À cette phase, nous allons nous prêter à un jeu. Et ce jeu consiste à donner son avis sur un sujet quelconque, sans préparation aucune, en une minute minimum, deux minutes maximum. C'est un jeu qui requiert de la créativité, du tact. Imaginez que vous sortez de la maison, vous allez au travail. Et chemin faisant, un journaliste vous accoste dans la rue avec son micro et avec sa caméra et souhaite recueillir votre avis sur un fait d'actualité. Qu'allez-vous dire? Imaginons que vous venez de prendre part à une conférence et qu'un média sollicite vos impressions à chaud. Qu'allez-vous dire? Alors, à Toastmasters, il y a ce créneau pour nous apprendre à prendre la parole de manière impromptue, sans aucune préparation. Et donc, c'est à ce jeu que nous allons nous prêter tout à l'heure. Et comme nous sommes démocratie, nous allons respecter les libertés des uns et des autres. Alors, je souhaite savoir si dans la salle, il y a quelqu'un qui souhaite ne pas participer à ce jeu. Et de toi, ok. Donc, il n'y a personne. Ça veut dire que tout le monde est embarqué pour les Table Topics. Et je vous rappelle que la prise de parole se fait en une minute minimum, deux minutes maximum. Et vous avez en face de vous des fiches. Vous avez des petites fiches. Sur une des fiches, il est marqué « Meilleur improvisateur ». Vous pouvez retirer la fiche. Et donc, à l'issue, vous allez voter pour le Toastmaster ou l'invité aura réussi à donner son point de vue de manière cohérente. Donc, nous allons démarrer. Excusez-moi, j'ai le chat dans la gorge. Vous travaillez dans une entreprise de fabrique à la zone industrielle de Toronto. Votre PDG, M. Laporte, est un homme insociable, dur de caractère, qui ne favorise aucune relation au sein de l'entreprise. Mais malgré cela, vous êtes organisé pour lui offrir un gâteau et un présent à l'occasion de son anniversaire de naissance. Arrivé à son bureau et en l'absence du délégué du personnel, vous avez été désigné de manière impromptue par vos collaborateurs pour dire un discours devant ce PDG. Et vous êtes le Toastmasters Hervé, notre animateur. Monsieur le directeur, comme vous le savez, chez nous en Afrique, il est de coutume de pouvoir célébrer les événements heureux
tout comme malheureux. Aujourd'hui, nous avons l'occasion et tout le personnel avec moi de pouvoir célébrer votre jour de naissance. Monsieur le directeur, il faut dire que la joie pour nous est grande, car malgré tout ce que nous pouvons quelquefois avoir comme grief, nous vous portons dans nos cœurs et nous savons qu'au-delà de la rigueur qui peut transparaître parfois dans vos propos, c'est la culture de l'excellence que vous recherchez et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé tous ensemble de faire fi de ce qui a pu nous marquer, nous blesser. Pour aujourd'hui, à l'occasion de votre anniversaire, nous partions sur de nouvelles bases et que cela puisse marquer aussi le départ, le tournant d'une relation nouvelle avec l'ensemble du personnel. Pour nous, l'occasion était toute trouvée. Vous célébrez, vous dire que nous vous portons dans nos cœurs, mais aussi vous dire que nous sommes prêts à avancer avec vous pour que cette entreprise puisse atteindre tous les objectifs que vous vous fixez et que vous nous fixez par ricochet. Nous croyons, monsieur le directeur, qu'ensemble nous y arriverons et c'est la raison pour laquelle nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Merci, monsieur le directeur. Merci. Et vous, vous êtes ce PDG insociable et dur de caractère. Vous ne vous attendiez pas à ce geste de la part de vos collaborateurs. Et vous êtes véritablement touché par ce geste, par les propos de M. Hervé. Et vous décidez donc de leur traduire toute votre gratitude. Bien entendu, en promettant de mettre un peu d'eau dans votre vin désormais. Et vous, vous êtes l'invité. Samuel Kouadio, notre commentateur de la pensée du jour. Très chers représentants du délégué, des employés de l'entreprise, ça avait percé mon cœur et une oreille attentive que j'ai écouté votre discours. Soyez-en sûrs et certains d'une chose, la profondeur de vos dires ont touché avec éclat et émotion mon cœur. La sagesse dans vos mots ont suscité à un court instant le changement profond à laquelle vous aspirez. Je promets solennellement, avec la sagesse dont vous êtes venu avec les employés de l'entreprise, d'adoucir un peu mon caractère, afin ensemble de créer l'atmosphère favorable pour l'avancement de cette entreprise afin d'en tirer un meilleur parti pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis très heureux de recevoir votre cadeau et soyez-en sûr et certain, à une occasion où nous sommes tous ensemble réunis, sûrement pour parler du bilan et des objectifs atteints de l'entreprise, je porterai votre cadeau pour vous montrer ma profonde admiration envers vos dires et envers le geste que vous venez de faire aujourd'hui. Je vous remercie très cher et que Dieu nous garde. Amen. J'ai affaire à des titans ce matin. Alors, vous êtes un fonctionnaire au ministère de l'Industrie et du Commerce. Face à la recrudescence des prix des denrées alimentaires sur le marché, votre ministère a été pris d'assaut par un collectif de femmes ménagères qui menace et invite votre ministre de tutelle à démissionner de son poste. En tant que conseiller du ministre, vous avez été désigné pour parler à ces dames. Que leur diriez-vous pour apaiser leur colère?
vous êtes l'invité en bleu, juste à côté du DG. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter le scénario? Vous êtes un fonctionnaire au ministère de l'Industrie et du Commerce. Votre ministère a été pris d'assaut par un collectif de femmes ménagères qui protestent face à la recrudescence des prix des denrées alimentaires sur le marché. Et vous avez été désigné en tant que conseiller du ministre pour parler à ces dames pour qu'elles puissent arrêter de manifester. Que leur diriez-vous pour apaiser leur colère? Très chères dames, d'abord, j'aimerais exprimer toute mon attitude désolée envers vous ce matin. Cette erreur, je me porte garant de l'erreur. Excusez-moi, il y a du mal à comprendre un peu mes mots. Je suis garant et je me porte responsable de l'erreur que notre entreprise a subie. Il faut croire que ces dernières années, nous avons dû faire face à des défis presque insurmontables, dirais-je, comme les pluies diluviennes, les difficultés du transport des marchandises, car, voyez-vous, les pluies ont déformé les routes, et aussi le refus des différents ouvriers, c'est-à-dire les agriculteurs, à travailler. Donc, c'est face à ces différents défis que nous avons pour essayer de rehausser un peu le niveau et pour que ça arrange un peu l'économie ivoirienne de monter les prix des différents produits. Merci. On peut le vacciner. Vous êtes Irielu Aminata Zainab, la présidente du collectif des femmes ménagères de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas très convaincu de la réponse du conseiller du ministre, mais vous arrivez quand même à décrocher un rendez-vous avec monsieur le ministre en personne. Et vous devez porter à sa connaissance toutes les doléances de vos consoeurs. Et vous, vous êtes la DTM Régine Amelon. Que direz-vous à monsieur le ministre? Est-ce que la DTM est avec nous? Nous avons en ligne Kadhi Bari. Est-ce que Kadhi Bari peut prendre la parole? Ok, nous allons revenir dans notre salle. Alors, je reprends. Vous êtes Irielu Aminata Zainab, la présidente du collectif des femmes ménagères de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas très convaincu de la réponse du conseiller du ministre, mais vous réussissez à décrocher un rendez-vous avec le monsieur le ministre lui-même. Que lui diriez-vous? L'intérieur coûte plus du double pour protéger du corps. Que diriez-vous à monsieur le ministre? Et vous, vous êtes notre veilleur de séjour. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté de nous rencontrer, nous femmes de ce pays. Je viens aujourd'hui porter la voix à toutes mes sœurs qui sont dans les marchés, dans les maisons, parce que ça fait un moment, on en parle, mais la vie est devenue chère. C'est vraiment trop cher. Et le peuple souffre. La semaine dernière, nous étions venus avec une approche différente. Nous avons manifesté devant vos locaux. Ça a créé un peu de turbulence. Pour cela, je m'en excuse. Aujourd'hui, je viens vous parler franchement, directement, et vous demander concrètement des actions à mener pour une meilleure condition de nos vies.
Les salaires n'ont pas augmenté, mais le marché augmente toujours. Monsieur le ministre, aujourd'hui, je suis venue vous présenter la doléance du peuple. J'ai besoin de votre retour sur les actions concrètes que vous allez mener pour que nous puissions demain avoir une qualité de vie meilleure. Merci. Ok, monsieur le chronomètre me fait signe que j'ai épuisé le temps qui m'a été attribué. Alors, je suis très heureux, très satisfait pour votre participation. Et je vous invite donc à voter sur les bouts de papier que vous avez pour la personne que vous estimez avoir été le plus éloquent. Oui. Excusez-moi, il y a deux noms que vous n'avez pas dit. D'inviter, enfin les noms qu'on doit noter pour les impôts. Chers invités, vous pouvez nous rappeler votre nom? Ardine Kouadio. Ardine Kouadio. Il y a notre animateur, le Toastmaster Eleva. Mm-hmm. Il est également notre veilleur. Vous pouvez nous rappeler votre nom? Vanessa Kofi. Vanessa Kofi. Et notre PDG. Notre PDG. Invité Samuel Kouadio. Alors, je vais à présent céder le micro à notre cher animateur pour la suite de notre session de formation et je vous demande de l'ovationner. Monsieur l'animateur, monsieur le petit pasteur, on l'ovationne jusqu'à ce qu'il y Nous avons eu de très beaux discours, mais aussi la phase des table topics a été savamment menée par notre topic master du jour qui nous a présenté des scénarios les plus bocasses. Merci pour ce beau travail de recherche qui nous a mis en situation. Madame l'évaluatrice générale, votre équipe était prête. Je vous l'avais annoncé lorsque je présentais le programme de ce jour. Nous avons eu une phase administrative qui a été conduite par le président, une phase éducative avec des discours préparés et improvisés. Il était question que toutes ces phases, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mené durant cette session soit évalué par notre évaluatrice générale et son équipe. Avons-nous fait correctement ce que nous aurions dû faire? L'heure est venue pour nous d'en avoir la réponse. Avons-nous été à la hauteur? Avons-nous utilisé la langue de Molière comme il se devait? Avons-nous fait preuve de fluidité langagière? Avons-nous respecté les objectifs des discours qui nous étaient assignés? Voici tant de points qui seront abordés au cours de cette phase évaluative. Et cette phase, vous le savez, sera conduite par notre évaluatrice générale, la Toastmaster. Michael Apo, qui est prête avec son équipe. Non, elle n'est pas encore prête. Deux minutes, me dit-elle. Le temps pour elle de voter. N'oubliez pas de voter. Et c'est le lieu de rappeler qu'en plus du vote pour le meilleur improvisateur, il y a également le vote du meilleur évaluateur de discours. Qu'il faut prévoir. Donc, quand l'évaluation des discours se fera, n'oubliez pas de voter pour le meilleur évaluateur des discours. Tous les évaluateurs de discours sont en ligne. On me le fait savoir. On peut quand même voter pour eux, n'est-ce pas? On votera donc pour les évaluateurs de discours qui sont en ligne. Mais il y a également les tenants de rôle.
Les tenants de rôle, le commentateur de la pensée, le veilleur, le compteur des hésitations, le grammairien et le chronométreur. En début de session, ils nous ont présenté leur rôle. Ils vont également nous rendre leurs différents rapports. Merci d'en tenir compte pour effectuer vos différents votes, afin qu'à la fin de cette session, nous ayons également le meilleur tenant de rôle. Très cher Toastmaster, j'espère que nous passons un très bon moment ensemble et que malgré la pluie, les discours que nous avons entendus ont pu nous réchauffer, nous donner envie, nous aussi, de nous présenter à ce lutrin pour dire des discours. Et pourquoi pas rejoindre Toastmaster International pour avancer ensemble dans cette quête de l'oratoire, mais aussi du leadership. Car beaucoup ont cette perception de Toastmaster comme uniquement le lieu où l'on va apprendre à bien parler. Non, il n'est pas uniquement question d'oratoire, mais surtout, il est question du leadership. À Toastmaster, c'est le lieu où les leaders se forment. C'est le lieu où les leaders se frottent à d'autres leaders pour être de meilleurs leaders. Et quand un leader pose une action, il est important pour lui d'avoir un retour pour savoir si cette action a été bien menée suivant certains critères. Et à Toastmaster International, nous avons des critères pour évaluer une session. Chers Toastmaster, distingués invités, je vous l'avais déjà annoncé, elle va venir à ce micro pour nous faire le point de ce que nous avons bien réalisé, ce que nous pouvons améliorer pour nos prochaines sessions. Je vous prie d'ovationner notre évaluatrice générale, la Toastmaster Michaël Apo. Sous invitation. Merci, monsieur l'animateur. Pour ne pas être chronophage, nous allons commencer par délivrer les différents rapports. Madame la veilleure, Toastmaster Vanessa, pouvez-vous nous délivrer votre rapport, s'il vous plaît? Sous vos ovations, bien sûr. Comme je vous avais dit en début de session, aujourd'hui, je vais vous poser une série de questions afin de mesurer votre qualité d'écoute. Donc, je prends des personnes au hasard. La première question, c'est Monsieur Samuel Quadio, en tant que commentateur de la pensée du jour, nous a parlé de Monsieur Elvis Ajaomba. Quelle est sa nationalité? Quel est son âge? Donc, si je m'en souviens bien, Elvis Ajaomba est béninois et il a 25 ans. Deuxième question. Nous avons eu trois bris de glace et dans l'un d'eux, M. Michel Lefoy nous a parlé de son voyage dans d'autres pays afin de faire sa formation. Dans quel pays il a fait son cursus? Deux personnes ont parlé de voyage. Il y a une personne qui a parlé de voyage en vacances et une personne a parlé de formation. Donc, c'était Monsieur Miezri. Pour la formation. Dans quel pays? J'interroge notre invité. Et vous parlez de quel pays de glace? Dans quel pays il a fait la formation militaire? Le 15 ans. Vous devrez nous dire quel est le Toastmaster qui a effectué sa formation dans un pays étranger, c'est ça? Oui. Okay. Et la question s'adresse à qui?
à l'invité et dans quel pays le Toastmaster a effectué sa formation dans le pays étranger. Ok. Je pense que c'était le coup de glace du Toastmaster liaison et c'était au Niger. Troisième question. Un Toastmaster nous a parlé de son amour pour l'art oratoire qui a été marqué lors d'un film, un film célèbre connu et où la personne a vraiment fait montre d'une manière de parler qui arrivait à captiver l'attention. De quel film s'agissait-il? Je pose la question à l'invité en rose. Un film célèbre où l'acteur principal a fait montre d'un art oratoire qui a vraiment passionné notre orateur. Je ne sais pas trop. Ok. Qui a la réponse pour le film? Je vais prendre un invité encore. Oui, monsieur. C'était Le Loup de Wall Street. C'était exact. De toutes ces questions, je note que vous avez bien suivi. Au-delà des questions pour montrer votre acuité lors de cette session, j'ai remarqué mais très peu de petits agissements gênants, notamment des bruits dus aux aléas de la visio et pas de trop de sorties, de toilettes, donc l'écoute était très très active. Je recommanderais pour les prochaines sessions de mettre sur mute les micros des autres participants afin que leur son ne dérange pas la session actuelle. Et je voudrais terminer mon propos par ce dicton qui dit « Ne vous lassez pas d'écouter parce que c'est en écoutant qu'on apprend à parler. » Merci. Merci. La deuxième personne de mon équipe est le compteur des hésitations. Pouvez-vous nous délivrer votre rapport, s'il vous plaît? Merci, bien chère évaluatrice générale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en somme, la pêche n'a pas été tellement bonne. Je vais commencer par Lucier en donnant mon rapport. Lucier a hésité 3 fois, une fois et, une fois alors, et il a fait un silence. Kwadjo, le commentateur de la pensée du jour, a hésité 3 fois, une fois et 2 silences. Ouattara a hésité également 3 fois. Et toutes ces 3 fois-là, Kofi Assemian, 1 fois, c'était bien. Bien. Arthur, notre président bien-aimé, il a hésité 3 fois. Il a prononcé le mot alors pendant ces 3 fois-là. Vanessa a prononcé « trois fois. Michel a prononcé « a »,« e » 2 fois. Et pour finir avec moi-même, j'ai prononcé « e » 3 fois. Donc, et en bonus également, il y a eu des intempéries de sonnerie de téléphone 3 fois, ce qui a dérangé un peu l'écoute de la session. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne mes suggestions, je suggère à ceux que les conjonctions de coordination qui servent à lier les idées les unes aux autres
et les mots de liaison surtout, que nous apprenions ces mots-là pour rendre fluide nos prises de parole. Ensuite, une répétition de nos préparations avant la session. Tout ceci rend plus fluide notre rythme de prononciation et notre prononciation. Un beau discours, c'est bien. C'est bien et c'est lié à un bon apprentissage de ces suggestions. C'était le rapport du compteur des hésitations. Bien à vous, chère évaluatrice générale. Merci beaucoup. Votre bon rapport, nous en tenons compte pour les petites préparations de vendredi. Merci beaucoup. Le prochain membre de mon équipe est le petit-fils de Shakespeare. Avant de bien utiliser la langue de Molière, monsieur le grammairien, votre rapport, s'il vous plaît. Je vous remercie, madame. Comme je l'avais annoncé au début de cette session, mon rôle a été de veiller au bon usage de la langue de Molière. Alors, durant cette session, j'ai entendu de bonnes expressions, à savoir « dessus de ses prérogatives » qui signifie « perdre ses avantages » et « aux antipodes » qui signifie « totalement à l'opposé ». Mais j'ai aussi noté des imperfections, à savoir à me débrouiller comme ça. J'aurais pu entendre à me débrouiller tout simplement. J'ai aussi noté c'est le game, c'est de l'anglicisme. J'aurais préféré entendre c'est le jeu. J'ai entendu aussi les pluies ont déformé les routes. Il aurait été mieux d'entendre. Ont dégradé, les pluies ont dégradé les routes. Alors, quant au mot du jour, il a été utilisé 13 fois. Et la palme d'or revient à Madame de la Générale, à Toastmaster, vous êtes Miguel Mabo. Je peux dire que le mot du jour a été utilisé à foison et je tiens à féliciter tous les Toastmasters ici présents de cette salle et en ligne. Je vous remercie, Madame la Générale. Merci, mais est-ce que vous avez entendu de belles citations, de belles pensées lors de cette bénéfique session? Vous avez sans doute noté au moins une belle citation, une belle pensée. Malheureusement, je n'ai pas noté de citation, mais j'aimerais inviter tous les Toastmasters qui a eu à noter des. Une belle citation, on va le faire savoir à tout le monde, c'est possible. Quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport okay. Je voulais juste rappeler une citation de notre animateur qui a dit ceci, je cite, « Ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait jusqu'au bout. Okay. » J'ai aussi aimé la citation de Guy-Paul. Raphaël, il disait, je sais plus, c'était l'état de qui. Dit son histoire n'a pas besoin d'être passionné, elle a juste besoin d'être. Merci monsieur le cadre. Il y a eu des discours, de beaux discours délivrés aujourd'hui. Et nous demandons au Toastmaster Abibatou Adebo de bien vouloir nous délivrer son rapport pour le premier discours. Parce que j'ai cru entendre que tous les évaluateurs de discours sont présents. Il a été remplacé par le Toastmaster, il arrive à nous. Il arrive à nous. Donc il évalue les trois discours. Le premier discours. Toastmaster Hilarion Agori, pouvons-nous avoir votre rapport, s'il vous plaît? Votre évaluation. Merci, madame l'évaluatrice générale. Monsieur le chronomètre, pourrais-je avoir le temps du Toastmaster Miefol, s'il vous plaît?
il a effectué un temps de 6 minutes et 12 secondes exactement. D'accord, merci, bien noté. Toastmaster Miefol Silieu, l'objectif de votre discours était de vous présenter à l'auditoire dans un discours structuré afin de vous faire connaître à cet auditoire. J'ai noté au travers de votre discours que vous avez été pédiatre dès le bas âge, que vous aviez une structure privée de confection de passeports. J'ai noté également que vous avez le talent de cinéaste et que vous êtes aussi passionné par l'art oratoire. J'ai beaucoup appris sur vous et ce, dans un discours bien structuré. Votre objectif a été atteint. Bravo. Et comme vous l'avez effectivement souligné, je vais rappeler votre citation. Votre histoire n'a pas besoin d'être sensationnelle, elle a juste besoin d'être sincère. Et j'ai trouvé votre histoire sincère. J'ai également noté d'autres points forts. Vous aviez eu une bonne expression orale et claire et aussi facilement compréhensible. Votre gestuelle a été correctement appropriée. Vous aviez une aisance face à l'auditoire et aussi un très bon contact visuel. La perfection n'étant pas de ce monde, comme l'a rappelé monsieur l'animateur, je vais aborder le volet des points d'amélioration pour vous permettre de pouvoir vous améliorer pour vos prochains discours. Je vous ai trouvé un peu trop statique concernant l'espace qui vous était alloué pour vos discours, donc je vous proposerai pour les prochains discours de pouvoir, je dirais, vous déplacer, bouger, occuper au maximum l'espace qui vous est dédié. C'est vrai que vous ne l'avez pas fait beaucoup, mais je vous conseillerais de réduire au maximum le regard sur vos notes en répétant plusieurs fois vos discours. Je vous réitère, Toastmaster Miefol Silieu, mes félicitations face à ce très beau discours. Je valide que vous méritez effectivement un passeport au-delà de la barrière de votre quartier. Félicitations à vous. Madame l'évaluatrice générale. Bienveillante et constructive. Merci beaucoup. Le deuxième évaluateur de discours, j'ai nommé Toastmaster Awa Koulibaly. J'ai été remplacé par la DTM Régine Amelon. Pouvez-vous nous délivrer votre rapport, s'il vous plaît? J'évalue le bris de glace de Michel Lepoix. Le bonheur est un rêve d'enfant. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé à l'âge adulte, nous dit Sigmund Freud. Et je pense que c'est que ce que vous avez réalisé. Vous vous êtes rêvé enfant en habit de militaire ou de gendarme et c'est ce que vous avez réalisé dans votre vie. J'ai bien aimé la structure de votre discours, très clair que vous avez annoncé de manière très logique et originale, enfance, désillusion, formation, et je crois que j'ai cru entendre quatrième point, étudiant. Ce que j'ai bien aimé dans cette structure, c'est que c'était en montagne russe émotionnelle. Ça veut dire que vous parlez de votre enfance, qui a été quelque part la joie, la désillusion, c'est de la peine parce que vous perdez votre papa, vous revenez à votre formation de la joie et vous revenez à la peine avec votre échec en tant qu'étudiant, si j'ai bien entendu, parce que le son n'était pas toujours très bon en ligne. J'ai noté un bon niveau de langue et j'ai noté aussi de l'assurance au lutrin. Quelques conseils. Lorsque vous arrivez au lutrin pour faire votre discours, ne remerciez pas. Cela peut déstabiliser un tout petit peu votre auditoire. Démarrez tout de suite votre discours, jetez-vous à l'eau, mettez votre auditoire dans le bain. Vous aviez aussi un bic en main. Le bic en main peut handicaper vos gestes, d'autant plus que vous êtes
derrière Olutrec. Pour moi, la voix était forte, mais il faudra faire attention à la diction. Il faudra savoir bien articuler pour se faire entendre à chaque moment où on prononce une phrase, où on prononce des mots. Dans l'ensemble, je pense que vous avez fait un bon discours. Il vous restera, bien entendu, à travailler la variété vocale, à travailler les gestes et à préparer davantage votre discours. C'est un bris de glace. Je ne vous demanderai pas davantage. C'était déjà un message bien délivré. Bravo à vous. Merci pour toutes vos suggestions. Le troisième évaluateur de discours, j'ai nommé Toastmaster Hilarion Agoyi. Pouvez-vous nous délivrer votre évaluation pour le troisième orateur, s'il vous plaît? Sous vos oreilles. Monsieur le chronométreur, pourrais-je avoir le temps effectué par Monsieur Michel Miezan, s'il vous plaît? Monsieur Michel Miezan a fait un temps de 8 minutes 25 secondes. Merci. Monsieur Michel Miezan, donc l'objectif de votre discours également, le bris de glace, était de vous présenter à l'auditoire dans un discours structuré afin de mieux vous faire connaître au club et également aux membres de l'auditoire. J'ai noté que vous êtes né à Cocody, que l'un des faits marquants dans votre vie a été le divorce de vos parents et cela vous a affecté. J'ai noté que vous aviez eu un parcours au prisonnier militaire du Niger et que cela vous a appris à vaincre vos peurs, a bénéficié également du brassage culturel du fait des différentes nationalités qui y sont. J'ai noté que vous aviez finalement pu comprendre pourquoi les jeunes en culotte verte étaient excellents. Et j'ai également noté que vous projetez aujourd'hui une carrière dans le monde du droit des affaires. J'ai donc appris à mieux vous connaître. Je pense que c'est le cas de cet auditoire. Dans un discours structuré. Donc, félicitations à vous, Monsieur Michel Miezan, car l'objectif de ce discours a été atteint. J'ai également noté une expression orale claire. On vous entendait parfaitement. Vous aviez un contact visuel normal. Vous aviez fait preuve également d'une bonne variété vocale. Je vais paraphraser votre citation. Qui disait « Pour mieux vivre, il faut s'améliorer ». Je vais donc parler des points d'amélioration qui vont vous permettre de pouvoir encore nous épater pour vos prochains discours. Je vous ai trouvé aussi statique au niveau du lutrin, donc je vous proposerai pour les prochaines fois de mieux occuper cet espace-là qui vous est dédié. Au niveau du contact visuel, vous étiez beaucoup orienté sur votre bouche. Allô, vous m'entendez? Oui, bien, allez-y. OK. Donc, concernant le contact visuel, je vous ai beaucoup trouvé focalisé sur votre gauche. Donc, pour les prochains discours, je vous conseille de faire un balayage de toute la salle afin d'intégrer tout votre auditoire. Je vous conseillerais également de mieux préparer votre discours et la structure. Car on a senti par moments un manque de préparation à certains niveaux et qu'il était parfois difficile de suivre vos structures. Le dernier point d'amélioration, c'est concernant le temps. Comme vous l'avez remarqué, vous avez débordé au niveau du temps. Donc pour cela, je vous conseille de mieux préparer vos discours, de faire des séances de répétition pour vous assurer que vous arrivez à pouvoir contenir vos discours dans le temps approprié. En dehors de ces points, votre discours était correct pour un bris de glace et comme je l'ai dit tantôt, il nous a permis de mieux vous connaître.
Je suis impatient d'écouter vos prochains discours car je suis certain que vous nous réservez beaucoup de surprises. Félicitations, Toastmaster Michel Miezan, vous pouvez en être fier. Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, cher évaluateur de discours. J'appelle maintenant notre dernière évaluatrice de discours, DDM Régime Ablon, pour son rapport. Monsieur Joseph, je crois que c'est malin, je n'ai pas très bien entendu le nom de famille. J'ai trouvé que vous avez fait un très bon choix. Vous m'entendez? Oui, on entend. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Vous avez fait un très beau choix du sujet, le quotient émotionnel. C'est quelque chose, vous m'avez appris quelque chose aujourd'hui. J'apprécie. Votre discours était très bien structuré. Vous aviez un bon niveau de langue. Et vous avez conclu en éveillant nos consciences. Vous avez choisi de présenter votre discours en faisant un storytelling, ce qui est aussi un très bon choix. Mais là où vous avez pêché, c'est que j'ai trouvé que pour une histoire que vous racontiez, il y avait trop de lectures. Normalement, vous devez parler à votre public. Vous devez être un conteur. Vous devez être à l'aise. Vous passez de vos notes et racontez l'histoire à votre public pour mieux capter son attention et pour mieux faire passer votre message. Et souvent aussi, vous vous êtes beaucoup appuyé sur votre lutré comme si cela était vos béquilles. Donc, je vous conseille surtout, d'autant plus que ce discours, vous devez le reprendre une deuxième fois, de faire une meilleure préparation, de répéter, de raconter une histoire. Écrivez de telle sorte que vous puissiez raconter l'histoire à votre public pour mieux capter son attention et pour mieux passer votre message. Et alors, vous pourrez ajouter à votre rendu, le regard, le geste, la variété vocale, et cela aura un impact très important. Je vous félicite néanmoins et je vous encourage et je vous demande, je souhaiterais vous revoir dans ce même discours en tenant compte de toutes les petites remarques que je viens de vous faire afin de faire un excellent discours. Le storytelling est l'occasion de faire toujours un excellent discours. Raconter une histoire, ça doit venir de votre cœur, ça doit venir de votre âme. Soit d'emballer tout votre public. Alors, j'attends ça de vous pour la prochaine fois. Merci, Madame l'évaluatrice. Madame l'évaluatrice, voilà, je vous rends le lutré. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice. Merci à tous nos évaluateurs de discours. À présent, le dernier membre de mon équipe, le chronométreur. Monsieur le chronométreur, avons-nous respecté le temps? Votre rapport, s'il vous plaît. Alors, nous notons pour cette première session une plus ou moins bonne gestion du temps, dans la mesure où nous étions jusqu'à la fin des table topics dans le temps, malgré que nous avions eu 15 minutes de préparation lors de l'ouverture de la session. Et pour l'heure, nous pouvons noter encore que nous sommes encore dans le temps, parce que nous sommes à 11h21 et 2h21 de session. Nous sommes à l'étape des évaluations. Et donc, nous sommes encore dans le temps. Et je voudrais rappeler que nous avons eu 30 minutes de retard et c'est l'occasion de rappeler à tous et à toutes de pouvoir prendre nos dispositions pour commencer nos sessions à l'heure. Donc, venir à l'heure à nos sessions pour qu'on commence vite et qu'on finisse dans le temps.
Et pour enchérir, je dirais qu'un bon leader, c'est celui qui sait gérer son temps. Madame l'évaluatrice générale. Merci, monsieur. Et pour enchérir, je dirais que nous devons bien prendre en compte toutes les suggestions du chronométreur parce qu'un bon leader, c'est un bon gestionnaire. Merci encore. N'oubliez pas de voter, vous avez les petites fiches avec vous, n'oubliez pas de voter le meilleur évaluateur de discours. Je vous demande de ovationner les membres de mon équipe. Vous avez aussi cette fiche, le meilleur tenant de rôle, que vous devez voter également. Pour ma part, j'ai vraiment adoré être avec vous. Et je vous délivre à présent mon rapport. J'ai fortement apprécié la phase administrative délivrée par notre président. Et au cours de cette phase, il a énoncé les informations d'actualité. Il a signalé que nous avons changé de division et que nous avons un nouveau directeur du secteur. C'est encore d'actualité. Félicitations, président. Un bon pour lui. J'ai également aimé la salle, la décoration de la salle. J'ai bien vu le matériel éducatif et j'ai fortement apprécié l'innovation de cette session. La session en ligne et en présentiel, c'est vraiment super. Et venant de vous, vraiment, merci beaucoup. Un bon pour le président. Je me suis délectée, j'ai bu du petit lait à vous écouter, vous les orateurs. J'ai vraiment aimé, vous nous avez sublimés. Et j'ai compris qu'il faut rêver. Il faut rêver et lorsqu'on rêve, l'univers met tout à notre disposition pour accomplir ce rêve. Merci pour les orateurs, merci pour la qualité de vos discours. Merci et félicitations. Un bon pour vous. Les évaluateurs de discours, waouh, merci pour vos évaluations. Vos évaluations étaient constructives et bienveillantes à l'endroit des orateurs. Merci beaucoup. Un bon pour vous. J'ai adoré le commentateur de la pensée du jour. Grâce à son commentaire, j'ai appris que 75,6% de la population ivoirienne était des jeunes et qu'il fallait axer la formation sur les jeunes pour pouvoir avoir une Côte d'Ivoire meilleure. Merci beaucoup. Un bon pour le commentateur. On reprend. Un bon pour lui. Que dire du meneur des improvisations? J'ai adoré la logique de vos questions. J'ai adoré aussi la structure. Et vous avez mené de main de maître toute la session des improvisations. Félicitations et continuez ainsi. Un bon pour vous. Monsieur en bleu, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez été bien accueilli? Comment avez-vous trouvé l'ambiance? Bon, déjà, en tant qu'ancien élève, j'ai trouvé l'ambiance plutôt chaleureuse. Plutôt que j'ai pu. C'est-à-dire, en fait, j'ai les connaissances ici, donc pour moi, c'était plutôt facile de m'intégrer. Mais d'un côté, avec les nouveaux visages, c'était pas trop. Donc, j'étais pas trop à l'aise. Donc, combien on peut dire que. Voilà. On peut dire que. Bon, je ne sais pas comment exprimer. Donc, ce n'était pas à 100% ce que vous attendiez. Bon. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je vois qu'ici, le niveau de langue est élevé. Donc, il faut qu'il me mette à niveau. D'accord. C'est un nouveau défi pour moi. Okay. Que vais m'atteler à réunir. D'accord. Vous aurez, le président vous donnera la parole tout à l'heure. L'invité en orange, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom. Est-ce que vous avez été bien accueilli lorsque vous êtes arrivé? Oui. Ok. Vous avez été bien accueilli. Ok.
Donc, concernant l'accueil des invités, je peux vous dire félicitations, continuez ainsi et trouvez plus d'autres moyens d'amélioration pour que les invités se sentent vraiment à l'aise lorsqu'ils viennent à vos sessions. Un bon pour le club. J'ai vu le mot du jour affiché. J'ai vu le nœud du train. Félicitations. Et toutes ces décorations, félicitations. Un bon pour le club. Je suis dans mes notes. OK. Félicitations pour cette qualité de session. Les points à améliorer, je propose que vous sensibilisez vos membres à faire le nécessaire pour venir à l'heure. C'est vrai que nous sommes en saison pluvieuse, mais un bon leader tient compte de tous ces aléas pour pouvoir mener à bien son leadership. Et je souhaiterais que vous sensibilisez aussi vos membres pour qu'ils puissent porter leur épinglette de Toastmaster. À part cela, j'ai été vraiment ravie d'évaluer la qualité de cette session. J'ai été ravie de voir de jeunes Toastmasters, de jeunes éléments de troupe, c'est comme ça on appelle, anciens enfants de troupe, vraiment s'imprégner de la méthode Toastmasters. Et félicitations au président, félicitations à tous les membres. Et je vous laisse sur cette pensée de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Monsieur l'animateur. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale, pour ce rapport qui nous permet d'avoir les éléments de nous améliorer pour nos prochaines sessions. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, énormément de plaisir à animer cette session à vos côtés. Merci au président Atu pour cet honneur qui m'a été fait de pouvoir participer avec vous à cette session. J'en repars très ravi, très rassuré quant au fait que la relève est assurée. Nous avons d'éminents orateurs au sein de ce club et je crois que les concours de discours à venir nous le démontreront. J'espère que plusieurs parmi ceux que j'ai entendus aujourd'hui seront candidats pour les concours de discours. Concours de discours humoristique, je pense que notre premier orateur devrait pouvoir tirer son épingle du jeu. Je le disais, j'ai pris énormément de plaisir. Ça a été une très belle session que la pluie a failli gâcher, mais lorsque nous désirons fortement une chose, nous avons la possibilité, la capacité de pouvoir venir à bout de tous les aléas qui se présentent à nous. Et nous avons réussi aujourd'hui et j'aimerais que nous puissions nous ovationner. Président Arthur, c'est avec grand plaisir que je reviendrai si jamais tu as besoin de moi pour camper n'importe quel rôle au cours d'une de tes sessions. Et je vous dis merci pour l'accueil et pour la qualité de la session. Je vais maintenant rendre le crachoir à celui qui me l'a donné en début de session, Président Arthur. On peut l'applaudir encore une fois. Merci très cher Toastmaster Eviba pour avoir animé cette session du millimètre. Ça a été une session magnifique grâce à votre manière de pouvoir animer cette session. Et je peux dire que ce fut une animation dithyrambique. Alors, à l'instar de notre animateur, nous avons des membres de l'équipe d'évaluation qui se sont distingués par leur intervention, qui ont été publicités. Alors, sans plus tarder, en tant que meilleur présentateur du rôle, il s'agit d'une dame. Elle est jeune, je crois qu'on s'est connu il y a 2 semaines, c'est là. Et elle appartient au club Alisma Toastmaster.
J'invite donc à ce lutrin la Toastmaster Vanessa Kofi. Je vous remercie. Alors, en tant que meilleur évaluateur des discours, il s'agit d'un Toastmaster. Bien évidemment, ce Toastmaster est en ligne. Et ce Toastmaster, il s'agit bien du Toastmaster en ancien, du Toastmaster Hilarion Agoï. Très cher ancien, je vous enverrai votre certificat numérique après sur WhatsApp ou bien en présentiel, quand nous avons imprimé un carton pour vous. Alors, en tant que meilleur improvisateur, selon vous, qui peut deviner qui est le meilleur improvisateur? L'employé du jour. L'employé du jour. Série de qui? C'est un indice. D'accord. Alors, bien évidemment, il s'agit de notre animateur du jour, le Toastmaster du jour. J'ai nommé le Toastmaster Hervé Ba. Félicitations, cher Toastmaster, pour vos prestations remarquables. Ce fut un plaisir de vous entendre aujourd'hui. Alors, avant de clôturer cette session de formation, nous allons prendre pardon, l'avis de nos invités qui nous ont fait l'honneur de pouvoir assister à notre session. J'aimerais donc donner la parole à notre invitée, Madame Barbara. Comment avez-vous trouvé cette session de formation? Je crois que c'est votre première fois d'assister à la session de lettres sur ce blog. Très bien. Alors, merci, cher président. Je porterai ma voix sur cette session en disant qu'elle a été très délicate. J'ai beaucoup appris, surtout des prix de glace. C'était vraiment très formidable. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'intervention de chaque campeur de rôle. Voilà, et je dirais que je vais partir pour la prochaine session. Merci. Ça marche. Alors, j'aimerais. On peut applaudir. Allez-vous adhérer au club avec le professeur Sistop? Je pense que c'est une chose à 50% déjà faite. Ça marche, je vous remercie. Nous allons prendre l'avis maintenant d'un invité qui est en ligne. J'aimerais donner la parole à mon ancien, le lieutenant Assemia. Très cher ancien, êtes-vous présent? Je suis présent, président. Ok. Alors, très cher ancien, comment avez-vous trouvé cette session de formation? C'est un honneur pour moi, un privilège d'avoir déjà été invité et puis d'assister en long et en large à toute la séance. J'avoue que je suis satisfait et je pense que je vais anticiper, sinon précipiter mon adhésion à l'Aéroport Club. Je vous remercie. Je vous remercie, très cher ancien. On peut l'applaudir encore. J'aimerais donner aussi la parole à la DTM Régime Amelon, qui nous a fait l'honneur de pouvoir assister à cette session depuis le Bénin. Très cher DTM, alors comment allez-vous? Vous êtes un jeune club.
Je trouve que vous vous débrouillez déjà bien. C'est sûr qu'il y a certaines améliorations à apporter. Il y a quelques suggestions que je voudrais vous faire, mais sur ce, plus précisément inbox, ça serait mieux. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous sommes perfectibles. Vous avez déjà mis le pied à l'étrier. Il est sûr qu'il y a des choses qui vont être révisées, revues, corrigées, mais qui ne risquent rien d'à rien. Raison pour laquelle je vous félicite. Je voulais beaucoup me plaindre du retard, mais j'ai appris qu'il pleuvait à verse chez vous. Donc, je me suis dit, ceci explique cela. Félicitations à vous et courage pour la suite. Je vous remercie. Très cher invité, Kadi Barry, vous nous recevez. Bonjour à tous. Je voudrais vous remercier pour cette session d'échange qui a été plus qu'enrichissante avec à l'appui des commentaires des points d'amélioration et j'apprécie énormément que on puisse intégrer le club et pouvoir participer même on va dire à l'essor même de la jeunesse africaine. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors très chers invités, très chers postmaster, je tiens à vous remercier pour vos retours positif et encourageant. Alors, n'hésitez pas à revenir dans ce club, car nos portes vous sont grandes ouvertes. Quant à moi, je suis un président comblé à ce jour. Je tiens à remercier toute l'équipe, les officiers du club qui s'est mobilisé comme un seul homme pour pouvoir organiser cette session de formation, malgré l'afflux du Vienne. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser une citation de Michel Buteau qui dit « Le courage n'a pas d'âge. » Je répète encore, « Le courage n'a pas d'âge. » Alors, très cher Toastmaster, très cher invité, je tiens à vous remercier encore pour votre présence en ce jour et j'espère que pour la prochaine session, vous reviendrez. Alors, à mon coup d'émaillé, je déclare ainsi levée cette session de formation. Je vous remercie.